Ah, viens t'asseoir. Quoi? Il dit, viens t'asseoir, tu dis quoi? Hein? Je suis assise, papa. Encore. C'est quoi? Il dit, viens t'asseoir, tu dis quoi? Ma vidéo, ça vous voit. Pousse-toi, on me voit bien. Pousse-toi, on me voit bien. Ouais, mais... Il était là, c'est bon. Il était là encore. Ouais, mais pas non. Bon, est-ce que vous allez bien, la belle famille? Quant à nous, ça va quand même. Très bien. Bon, ça va très bien, oui. Sauf quelque chose qui s'est passé aujourd'hui là. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou c'est de la jalousie ou c'est quoi, je comprends pas. Quoi? Vous savez, nous sommes à Kribi actuellement. Et pour ceux qui ne savent pas, Kribi, c'est ma ville natale. C'est là où je suis né et grandi. Donc, je connais beaucoup de personnes ici. Alors, ça a commencé à l'agence. Nous sommes arrivés. J'ai vu les amis filles que je connaissais ici, là. J'ai commencé à saluer. Il y a d'autres qui travaillent même à l'agence, là. Elle a commencé à réagir, genre. Elle faisait un genre. Jusqu'à m'a laissé là-bas porter tous les sacs. Elle a commencé à bouder, laisser les sacs là, commencé à marcher. Parce qu'elle savait où on allait loger. T'entends le gentil. Tonton le gentil. J'ai fait genre, elle n'a pas vu. Maintenant, on se lève. Mais j'ai vu, non, tu Pourquoi boudais, t'as tu pas m'as laissé appelé? porter les sacs. Je suis resté tranquille. Ok. Le matin, maintenant, on se lève, on va manger. On déjeune tranquillement. On rentre. Quand on rentre à l'hôtel là où nous sommes logés, là, ici au gîte, il y a une dame qui faisait le ménage là. Je crois que quand j'étais venu ici la dernière fois, elle m'avait remarqué. Elle avait dit le mari de MKO, la période là, elle et moi, on avait des problèmes. Donc, quand on me parlait de MK, ça m'énervait. Ça m'énervait. Imaginez, il vient dans un truc, je veux loger pour me détendre. Je pense que c'est la période là qu'elle et moi, on avait des problèmes. Et moi, ça m'embêtait. Donc, et quand je viens ici à Kibi, je me sens un peu chez moi, je m'évade. Vous voyez un peu. Je suis venu pour m'évader, pour l'oublier. Quand j'arrive donc. Pour m'oublier. Ça va aller, papa. Quand j'arrive donc, je veux loger. Directement, quand la femme là, j'entre comme ça pour voir le truc qu'on tente de me faire visiter. Il y a les dames qui faisaient le ménage là. Oh, ce n'est pas le mari de MK ici. Oh, MKO. Mais ça m'énervait. Ça m'énervait. J'ai dit que c'est quoi? Elle dit non. Elle dit que je suis venu à Kribi chercher une autre femme. Elles disent que non, oh, c'est MK que nous on veut. Elle dit que qui? Vous connaissez MK, vous l'avez vu. Ah oui, elles ont dit que pardon, cherche à venir ici avec MK. Nous on veut la voir. Oh, machin, machin. Je suis donc venu comme ça aujourd'hui, comme on a vu la veille. On arrive ici, je vois une des femmes là. Elle est en train de faire le ménage, elle sortait. Elle dit que bonjour madame. Elle me voit aussi, elle salue. Les problèmes ont commencé. Elle commence à bouder que oh, je salue trop les filles ici. Oh, je suis venu ici avec elle pour saluer les filles. Oh, machin, machin. Il peut parler. Est-ce qu'il peut parler? Si tu n'as pas fini, parle. On est là, on t'écoute. Tu me coupes d'abord avant de dire que oh, tu veux parler. Désolé, parle. Il n'est pas allé chanter de manger même d'abord. Dépose alors. Tu veux qu'il pleure? Tu dois parler, pourquoi? Dépose. Il te peut manger pourquoi? Il te met les poteaux là-haut, tu Va, dis ça y est, pourquoi? déposé. Et tu me mets sur le canapé. Ouais, Il te parle, je me dis ouais. Ah, Seigneur. Genre, Seigneur, si le Seigneur ne te retient pas, tu vas me taper ici. Laisse, on n'est pas sur l'affaire Donc, là. si le Seigneur ne te retient pas, Attends, tu nous vas me sommes pas sur taper. l'affaire Pose-le là-haut là. sur la table avant. Tu ne mets pas sur mon ordinateur, pardon. Aide-moi. Le point est déposé. Lève-toi, tu déposes ton corps, Quand tu pèse. as... Les Il amis. t'a aimé parler. Mais... Je Il t'a parlé, dis... je me dis, mais. Je... Arrête! Qu'est-ce qui t'arrive? Il t'a parlé, je me demande d'arrêter. Tu me dis, mais. Il dit. Toi, tu penses même que. Tu as demandé la parole. Je peux parler. Je peux parler. Non. Vous-même, vous voyez, non? Vous voyez, non? Il ne me fusque rien. Fusque moi, ou c'est la relation, Il n'était pas ou de la parole. c'est Il n'était pas de la la parole. Il n'était pas présence, de la parole. Dieu seul sait. Il n'était pas de la parole. On voit. Mais en parle. Je ne parle plus. Tu as dit que je ne parle pas, non, je ne parle plus. Parle Je ne maintenant. parle plus. Parle.
Je parle pas parce que je sais qu'il y a raison. Parce que tu as raison. Je salue les gens au problème. Tu salues les gens. Les amis, ça a commencé depuis hier quand on voyageait. Attends, pour que tu m'assoies bien. C'est depuis hier. On arrive d'abord à l'agence. Il y avait une fille là, ses fesses étaient divisées dans la robe comme ça là. Tu regardes les fesses des filles dans la robe. La fille là m'énervait. Pour rien. Pour rien comment. Et c'est lui qui a remarqué, il a remarqué que la fille m'énervait. Je lui ai dit, mais toi-même tu voyais quoi avant que de savoir que la fille m'énervait. Mais parce que habitué à une fille, après tu commences à regarder. Non, toi tu regardais la fille, pourquoi? Et elle m'a regardé comme ça là, qu'elle te connaissait où? Elle me connaissait où? Oui, elle te connaît où? Elle passe avec ses fesses. Elle... Bref, on n'a pas fini sur la fille là. Il a salué deux filles. Elle était pas seulement d'elle, c'est quatre filles. Que ce sont mes camarades de classe, on a regardé ensemble. Tu es obligé de les saluer. Tu es obligé. Ce sont les gens avec qui j'ai grandi. C'est obligé. Il est venu à l'agence. Elle est obligée de saluer les gens. Il faut être poli. Il ne peut pas voir les gens. Ok, tonton le poli. Tu m'as passé comme marche là maintenant. Tout ce que tu vois, tu l'as salué. Parce que si tu ne salues pas, toi et moi. Il a fini de saluer les filles là. J'ai avalé, j'ai mis ça dans mon ventre. Maintenant, on arrive dans le bus. Ce sont les filles avec qui j'ai fréquenté. Ouais. On arrive dans le bus, le sac d'une femme est tombé, une jeune fille, il a aidé à ramasser. Tu as ramassé maintenant le sac, pourquoi? Maman. Je dis que c'est la gentillesse. Mais c'est la gentillesse, non? Gentillesse, ok. Comme on va marcher là, je vais jeter mon sac chaque seconde, tu vas ramasser. C'est le genre. Ouais, est-ce qu'elle a fait esprit? Elle a fait esprit, mais tu étais trop, il y avait pas les gens dans le bus là, tu étais le seul. C'est tombé à côté de moi. Tu étais obligé de ramasser, une jeune fille, elle était, c'était une grand-mère. Tu n'écris pas, tu n'écris pas. C'était une grand-mère. Dylan, ne me fais pas rire parce que quand tu mets ton téléphone pas. Pour parler des problèmes comme ça, rassure-toi que mes nerfs sont calmes. Parce que tu vois, tu as les nerfs qui. Ah, j'ai les nerfs qui. Et comme tu parle savais, hey, laisse-moi parle parler doucement. Parle pas toi, laisse-moi. Tu parles pas. Tu attends. Parles doucement, oui. Hey, tu me dis. Quand tu voulais couper, quand il n'a pas refusé de parler comme ça là. Yo, pour que prochainement, tu ne tiens plus avec les problèmes ici là. Et quand tu sais que toi-même, tu vas plus venir avec. Qui vient avec le problème? C'est toi qui prends ton téléphone tous les jours pour me mettre ici, non? Okay, c'est moi. Ok, on coupe pas. Attends, laisse, il ne veut plus parler. On ne poste pas la vidéo aussi. Il ne veut plus parler, donc laisse. Tu ne parles pas comment? Aujourd'hui, même ça ne suffit pas. Tu pars, tu salues la ménage. Tu la connais où? Tu as salué même. Elle n'a même pas répondu. Elle te met avec toi. Elle n'a rien répondu. Elle a répondu. Elle a répondu. Comment on va marcher là? Rassure-toi que tu vas saluer les gens. Tonton, le gentil. Donne-moi mon yaourt. Marche. Mais tu m'as dit une hache. Tu on fait quelque chose avant. Tu dis Laisse-moi. C'est moi qui t'ai dit Nganche. Fais quelque chose, tu me laisses. C'est moi qui t'ai dit Nganche. Fais quelque chose, tu me laisses, Dylan. Ha. Tu me dis Nganche. Ferme la bouche, je vais te dire Nganche. Ok. Very good. Bien ça.